Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième séance du challenge 66 by Sarah. J'espère que vous êtes en forme. On va partir pour 10 minutes de renforcement musculaire, corps complet, donc beaucoup de gainage, de renforcement musculaire ciblé sur la sangle abdominale et puis un peu de fessiers. Je démarre mon chrono, je vous propose de vous installer tout de suite là en position de planche, le dos bien droit, les épaules au-dessus des mains. On contracte les abdos, on serre les fesses et là, on vient toucher ses épaules pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste ici. Si vous avez besoin de soulager un petit peu, vous pouvez poser un jeu avant de repartir sur le prochain exercice. On reste toujours en planche et là, on va chercher loin devant. En alternant, main droite, main gauche sur 12 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste ici, toujours bien solide. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On contracte les abdos, le dos est bien aligné. On n'a pas les fesses en l'air là. On est bien droit et vous pouvez poser. On va repartir sur une deuxième session de gainage. Là, toujours en planche et on va lever une jambe. Là, on va rester quelques secondes. Toujours hein, le bel alignement. On pose, on inverse. Là, contractez bien les fessiers, le pied fléchi, le regard en direction du tapis pour que la tête reste bien alignée. On pose, on inverse, on change. Ok, soufflez. On va poursuivre avec une autre planche, une autre variation. Là, alors deux options. Soit on fait écarté serré. Si c'est trop dur, vous ouvrez et vous fermez. On part pour 12 également. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on serre bien les abdos, pointe de pied. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Et cette fois, on va se positionner. Et on va poursuivre avec un travail abdominal. Alors, vous pouvez poser la tête sur le sol si vous le souhaitez pour éviter de solliciter vos cervicales. On va tendre les jambes. Là, et on va alterner jambe gauche, jambe droite. On rentre bien le ventre. Là, on serre les abdos. Et si vous voulez travailler un peu plus, vous pouvez décoller les épaules, décoller la tête en direction du bas-fond. Allez, 1, 2, on rentre bien le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12. Ok. Là, on met les jambes en angle droit. On va tendre les bras et on va ouvrir bras-jambes. Là, 1, 2, on serre toujours le ventre. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste là dans cette position en diagonale. On va tendre une jambe et allonger le bras vers l'arrière et on revient. 2, 3, toujours le ventre entré, 4, on aspire le nombril, 5, 6, on expire à la descente, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste dans cette position-là et on va descendre légèrement les jambes comme vous pouvez. Alors, soit vous restez là si vous sentez que ça travaille et que vous ne pouvez pas aller plus bas, sinon… Là, on essaye de tendre, de s'approcher du tapis et on revient. Si vous pouvez juste faire ça, il n'y a aucun problème. Ça travaille. On rentre le ventre là toujours et on continue là pour 12. 1 et je reviens. 2, 3, c'est à vous de choisir l'orientation. 4, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. 5, 6. 7,
8, allez encore, on rend toujours le ventre. 9, 10, 11 et 12. Ok, on pose tout. Là, dans cette position, on va commencer à travailler un petit peu les fessiers. Donc déjà sur un basique où on va soulever le bassin, là, le plafond, on plaque les mains au sol, la tête est bien posée. Et là, 1, 2, on tire, bassin vers le haut, on serre les fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste en haut, là, on serre bien, on contracte les fessiers. Et là, des tout petits mouvements pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va poser. Cette fois, on va placer son pied sur le genou opposé et on va faire le même mouvement. Là, on tire le bassin vers le haut et on contracte les fesses à chaque fois qu'on est haut. Allez, c'est parti pour 12. 1, 2, 3, on tire bien haut. 4, 5, serrez les fesses quand vous êtes en haut. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change tout de suite de côté. Là, le talon sur le genou opposé et on soulève le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Là, on reste dans cette même position. On va contracter les abdos. Là, je serre bien, j'aspire le ventre, je décolle les épaules, je regarde au plafond. Et là, on va tendre les bras en direction des pieds. Et là, je contracte et je serre bien là. Je monte, je serre. 2, 3, 4, expirez en montant. 5, sentez la contraction. 6, 7, exagérez là. 8, 9, 10, 11 et 12. On pose, on va refaire la même chose. Là, il y a vraiment cette nécessité de contracter, exagérer. Quand vous montez, on exagère et on contracte, on serre bien. On y retourne. Là, toujours le regard en direction du plafond. On a la tête bien alignée. Et c'est parti. 1, rentrez le ventre. 2, expirez bien là. 3, 4, 5, 6, 7. Concentrez-vous sur les abdos. 8 et sentez. 9, 10, 11. On monte, on serre. 12. Ok, on relâche. Ici, on va rester assis sur les fesses. On va placer les mains là, en direction du bassin, les pieds écartés, largeur épaule. Et là, on va tirer le bassin vers le haut en alignant la tête. Là, j'ai la tête alignée et je redescends. 1, 2, montez bien haut et serrez les fesses. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, là, on va repasser sur une position de face. Donc là, le dos, le ventre, pardon, collé au sol. On va travailler un peu les dorsaux, mais aussi les bras. Je vais vous demander là de tout décoller. Ici, on reste 3 secondes. Là, on serre bien les omoplates, on lève le coude, les coudes, on lève les genoux, on serre les fesses. Ok, on pose et là, on se lève pour une pompe. On redescend et on soulève tout. Là, omoplates serrées, coudes levés, pieds et genoux décollés. On pose une pompe et on redescend. Encore, on serre tout, serrez bien les omoplates, la tête en direction du tapis, le front. Là, en direction, serrez les fesses et pompe. Ok, on y retourne. Là, encore, serrez tout. On serre, on serre, on serre et pompe. Ok, cette fois, on va finir par 10 pompes. Alors, soit vous les faites sur les genoux, là, en étant bien aligné, fessiers,
Là, genoux, fessiers, bassin alignés, les épaules bien au-dessus des mains. Et là, on descend et on remonte. On expire, là, on remonte. Allez, c'est parti. Soit vous les faites en normal. Je vais vous accompagner là sur cette position-là pour cette série. Allez, 1, 2, allez encore, 3, 4, 5, on va jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour aujourd'hui. Alors, si vous n'arrivez pas à faire certains mouvements, et notamment les pompes, ce n'est pas grave, faites de votre mieux. On est au deuxième jour du challenge, donc l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 66 jours, il y ait un vrai progrès, non seulement sur le plan physique, sur le plan moral, mais aussi que vous intégriez un peu plus de sport dans votre quotidien. Mais les pompes, je sais que très souvent, on me dit que c'est difficile. Là, on est sur les genoux, donc c'est une variante, une personne. Donc, faites-en une, deux aujourd'hui. Et demain, vous en ferez plus. Voilà, ne vous inquiétez pas. On va progresser doucement ensemble. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle séance si vous la faites en replay. Je vous donne rendez-vous demain pour la troisième séance du challenge. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti. Ça me permettra d'ajuster les prochaines séances en fonction des retours. Et puis, partagez ce challenge à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et je vous remercie. À très bientôt et surtout à demain pour nos 10 minutes quotidiennes. Et si vous avez envie de compléter ce temps-là par une autre séance, n'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne. Il y a vraiment de tout, des séances cardio, boxe, corde à sauter, renforcement musculaire, haut, bas. Enfin, il y a tout. Donc, faites-vous plaisir et composez des séances d'entraînement. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux.